Bonjour à tous, c'est le D'Alucard. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Berserk and the Band of the Faucon. Et la bande du faucon. Et on va continuer le mode histoire. J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. 3 ans se sont passés depuis Guts s'était placé son épée au service de la bande du faucon. Et maintenant, c'est le capitaine de la troupe de choc. Et voilà. Et il va sur le champ de bataille encore une fois. Très très bien. Nous ne pouvons prendre que Guts pour cette mission. Parce que là sur l'image, je vois qu'il a son casque d'avant et tout. Parce que techniquement, Guts après ne met plus de casque. Une fois qu'il est devenu adulte, il n'a plus besoin de protection. Il est majeur, vacciné. Le sida ne lui fait plus peur. Est-ce que vous avez entendu ils disent. Est-ce que vous avez entendu? Ils disent que le roi lui-même est en train de chevaucher à travers la bataille aujourd'hui. Sa majesté lui-même sur le champ de bataille. Must be not much left of this Midland. C'est un bon moment pour réussir à donner un vrai nom à la bande du faucon. Oui, forcément, les prouesses seront visibles. Tout ce qu'on a à faire, c'est de détruire l'ennemi devant le roi. Ce ne sera pas si différent des autres jours. C'est vrai. J'aime les mecs comme lui. Non, arrête! Griffith, putain! J'essaye de faire de toi quelqu'un de viril. C'est compliqué. Quand je pense que tu es plus viril que Casca, enfin que tu es plus féminin, pardon, que Casca, ça me fait peur. Ouais. Bon, allez, vas-y, laisse-les moi, je vais tous leur péter le cul. Bon, tu as juste besoin de faire un acte de... J'arrive même pas à faire une voix féminine à Casca, quoi. Arrêtez. Ouais. Tu as juste besoin, eh bien, de faire diversion, hein. Hein. Le reste de la force fera le reste. Ne m'apprends rien. Enfin, Don Titus, en gros, fous-moi la paix, tu m'apprends rien. Enfin, laisse-moi faire. Voilà. C'est plutôt... Enfin, moi, je le prends comme ça. C'est pas la traduction littérale. Battle Preparation. Army Info. Alors, on va en Battle Préparation. Est-ce qu'on a des meilleurs équipements que... Mais oui. Par contre, franchement, je vois pas l'intérêt de... d'avoir tout ça si je peux simplement mettre ça en fait. Je mets 3 trucs comme ça et c'est bon quoi. Ah, j'ai mes couteaux de lancer. On peut chop bien évidemment. On peut améliorer les équipements éventuellement. D'accord. On va améliorer ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Là, je l'améliore en plus 8. Je crois que le maximum, ils avaient dit que c'était plus 9. On verra si par la suite... Il a quand même son casque. Il a sa tête d'adulte, mais avec son casque. Je me souviens pas du... Bon. Alors, Army Info. Il y a Guts et des officiers de Midland. Très bien. Elite Info. Défaite de Black Ram, Cavalry Clamanger, Artillery Officer, Shooter... On s'en fiche un petit peu, en fait. Go! Ça fait 3 ans que... Ta gueule. Ah mon dieu, je ne pourrais pas monétiser cette vidéo. Ah d'ailleurs, à mon avis, vous allez voir très peu de youtubeurs faire des vidéos sur ce jeu. Hein, puisque bah on peut pas la monétiser comme il y a ces extraits de vidéos. Ou alors ils vont couper comme des chiens. Je vous rassure, dans le film, c'est mieux. C'est plus beau, c'est plus détaillé. Il y a plus de sons de bataille, on entend bien les gens gueuler, c'est pas censuré. Ni rien. Ah, la cavalerie du rhinocéros noir, il me semble que c'est ça, en français. Nous décimons nos troupes à ce rythme. Eh bien, nous allons perdre la bataille. Est-ce qu'il n'y a donc personne pour arrêter ces enfoirés de Shudder? Shudder? On va prendre la tête du roi!
C'est parti! Et là, normalement, on est censé arriver en phase 2. Et là, elle remet bien profond avec mon cheval char. Allez, c'est parti. Chargé! Attendez. J'aimerais descendre de cheval. Voilà. Et c'est parti. Oh mon dieu! Normalement, dans le manga, il est à cheval, Guts. Nous, on s'en fout. C'est un désastre. Press RB to use your sub-weapon. Très bien. D'accord, il y a un cooldown. D'accord. Donc les couteaux de lancer, ça va me permettre d'harceler un petit peu. Et éventuellement d'empêcher l'ennemi. Voilà, je fais ça, tu vois, plaque. Voilà, et là il est sonné. Du coup j'utilise... Ah, pâte à crêpes. Voici la recette de la pâte à crêpes. Goût nature. Et on récupère, d'accord, les couteaux au bout d'un moment. Très bien. Ça veut dire que ça marchera sûrement pareil avec le canon, ce genre de choses. Alors, hop. Cet enfoiré se défend bien. Oh mon dieu, il a augmenté sa défense. Qu'est-ce que je vais faire? Taper plus fort est une bonne solution. D'accord. Allez hop. On a trouvé un matériau. La base lieutenant va périr. J'ai capturé la base. C'est un camp. Au milieu de la forêt. Et il y en a plein de vent en fait. Hein. Il fait quand même plus de dégâts que Casca, mais il est quand même beaucoup moins mobile. J'ai cassé sa. Alors là. Mode fureur. Il y a quand même beaucoup de sang. Hein. Je disais, ouais, il n'y a pas de démembrement. Bon, faut quand même avouer. Par rapport à beaucoup de mousseaux, il se défend à ce niveau. Hein. Voilà, on va essayer de taper la super attaque juste avant. Ah, ouais, j'avais encore de la marge, tu me diras. Est-ce que ça touche? Ça touche pas. Alors, boum, l'attaque puissante. Derrière, on tape. Hop, la pénétration, la pâte à crêpes, les couteaux de lancer. Voilà, on récupère une partie de nos items parce que, bien évidemment, j'ai tout utilisé. Hein. Ok, je peux aller me battre ailleurs maintenant. Ah, le lieutenant de base. Voilà. Est-ce qu'il m'a lâché quelque chose? Il m'a lâché un truc. Des sous en plus. Tourbillole! 1, 2, 3, normalement là c'est tourbillole. D'accord. 1, 2, pâte à crêpes. 1, 2, pâte à crêpes, mais il est mort avant. Bon. J'ai perdu mon cheval. Ah oui, mais je peux l'invoquer, je crois, mon cheval, non? Il n'y avait pas une histoire comme ça? Le maniement des objets, c'est un peu particulier. Hein. Regarde vite fait. Hein. Sinon on s'en fout en fait. Alors fureur. Et le cavalier, le officier de cavalier de je sais pas quoi là. Ah lui s'en fout de le lancer. Boum la pâte à crêpes. Charge attaque. Blam. Allez, ça fait mal. Hein. J'ai pas pu lancer ma super attaque, mais en fait c'est parce que surtout je la garde pour un événement un peu plus tard, je pense. Par contre, c'est moi, c'est vraiment super simple, quoi. Hein. Pour l'instant, le jeu n'a aucune difficulté. Bon, évidemment, je ne mets pas non plus la difficulté à fond.
C'est vrai que du coup je pourrais le faire. Là je joue en mode normal. Ça me semble normal de vous montrer le jeu en mode normal. Allez. Boum. Un autre artillerie officer. Ça c'est fait. Je peux le bloquer. C'est incroyable, il y a quand même énormément de monde, hein, à l'écran, là, c'est... Tombi lol. Ça serait débile d'annoncer son attaque, en vrai, mais... Bien, le petit couteau de lancer. Et c'est parti. Raté. Bon, frenzy mode. Voilà, on va devenir plus puissant. Remplir cette partie-là du champ de bataille. Et j'aimerais en fait réussir à claquer. Non ! Claque l'attaque ! Voilà, j'ai capturé la base. J'ai déjà ma jauge ! Boum. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as parlé. Oh, il y a du démembrement, hein. Regardez. Il y a du démembrement. Donc là, ce qui se passe, c'est que c'est la merde quand je suis derrière. Je vais tuer ce lieutenant de base, là. Voilà. C'est vrai que Guts à la base il a foncé tout seul dans le tas sans attendre Gaston. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Gaston, je trouve qu'il a la même voix que la voix de Franky dans One Piece. Elle dit Taisho. Je ne sais pas faire la voix de Franky. Oh, le couteau de lancer. Tuez-moi ce lieutenant de base. Voilà. Et il y a du monde, il y a du monde. Sur le balcon. Terminal. Tuez-les tous. Alors, je regarde pendant ce temps-là, où est-ce que je peux aller? Déjà, je passais en fureur. Je vois pas ce qu'il faut faire. Peut-être le truc là-bas. Après, je shudder un mytho de terre, mais je... un avantage, très bien. Nous ne sommes pas des mercenaires. Alors attendez, ce qui va se passer, c'est que je vais aider les mecs là-bas. Ouais, d'accord. Je vois ce qu'il faut faire, c'est bon. Je vais annihiler les shooters qui sont ici. Voilà. Qui ne lui reste plus de vie. Boum. Ça me permet de trouver un matériel. Un matériau, pardon. Là, je l'aide. Je lui rends de la vie. Parce que je le sauve. C'est vrai que ça se passe comme ça dans le Musou. Là. Hop. Oh, vous m'avez sauvé. Tout à fait. Normalement, ils n'ont pas besoin de mon aide pour ce qui reste. Et là, on va aider sur les 3 points d'exclamation. Et Gaston!
me demande si le fait de monter par exemple, parce que là je sais que Casca et Griffiths ont rejoint la bataille, est-ce que le fait de jouer avec Casca et Griffiths pour monter leur niveau, est-ce que du coup dans l'histoire ils seront tel ou tel niveau? J'avoue que ça je ne sais pas. Il me semble que ça se passait un peu comme ça dans Hyrule Warrior. C'est possible que ce soit pas du tout le cas. Oh mon dieu! Un officier archer! Mon dieu, le pauvre! Il n'a pas compris que dans l'univers de Berserk, les archers... MDR. C'est vrai qu'il y a du démembrement, mais que lors de la super attaque, j'ai l'impression. C'est les petits couteaux. Petits couteaux qui traversent. C'est des couteaux magnum en fait. Ils traversent tout le monde. Oh, cette fois, j'en ai marre. Donnez-moi mon mother fucking arm que je claque la super méga attaque. Voilà. J'en ai fait tomber 3 d'un coup. Ça c'est fait. Et il y en a 4 qui apparaissent. Ce à quoi je réponds, une autre super attaque. Mission updated. Bah c'est fini. Ah bah j'ai gagné. La victoire est nôtre. Et les conditions de victoire ont été changées. Bah ouais mais Le général est mort. Je l'ai même pas vu, je pensais que ça serait un boss. L'armée de Shudder is retreating. Impeccable. Les forces de Shudder se en fait. Comment une simple bande de mercenaires peut-il changer le cours d'une bataille? La bande du Faucon, est-ce que les rumeurs sur leur force seraient-elles véritables? Oh Guts, tu étais très cool. C'était trop bien. Ah, ça c'est le leader de la troupe de choc du Faucon. Il est temps de boire. Portons un toast à lui. Je suis désolé d'avoir chargé tout seul comme un gros retard. Stratégie, diplomatie. Guts n'a jamais rien compris. Capitaine Guts, nous avons besoin de parler. Est-ce que vous avez un petit peu de temps pour moi? Qu'est-ce que c'est que ce merde? Quoi? Ne fais pas l'abruti avec moi. Ton job, c'était simplement de faire en sorte à mener ton unité pour faire une diversion, pour que nous puissions justement charger avec le reste de l'armée. Et toi, tu charges tout seul. Tu as peut-être été chanceux cette fois, mais la prochaine fois que tu fais quelque chose comme ça, tu exposes la bande entière au danger. Désolé à propos de ça, je ferai plus attention. Tu dis tout le temps ça, et à chaque fois tu ne le penses pas. C'est toujours la même chose, la même rengaine, encore et encore. Alors, remarquerez que je fais pas le con dans il y a eu un zoom, elle est en colère. Vous remarquerez que je fais pas le con dans cette traduction pour la simple et bonne raison que le dialogue est assez important finalement. Parce que en réalité ça prouve, d'ailleurs Casca a des traits vachement jeunes je trouve, normalement elle fait plus vieille quand même dans le manga. Le fait est que là, Casca, elle est censée détester Guts. Voilà, c'est pour ça que je fais pas trop le con, parce que oui, il y a des moments, il faut être sérieux dans la vie. Alors, tu n'es satisfait. Ah, j'ai cru que j'allais éternuer. Ah, tu n'es satisfait uniquement que quand tu agites ton énorme épée avec l'ennemi. Tu ne penses absolument pas à tes camarades, pas une seule fois. Tu n'es qu'un chien fou. Vas-y, dis ça again. Dis ça again. Dis ça, encore une fois. Oh, la tête de Guts! Oh!
Oh, c'est mal fait. Putain. Si jamais tu prends le dernier BN, je te jure que ça va chier. Vas-y, dis-moi ça encore une seule fois. Ça suffit, vous deux. Je dois parler avec Guts. Tu es trop laxiste avec lui, Griffiths. Je suis jalouse. Hein. Eh bien, vous deux, vous n'arrivez vraiment pas à vous entendre malgré tout ce temps. C'est pas ma faute, hein, c'est elle. C'est elle qui me cherche tout le temps. Je pense à mes camarades. Je ne suis pas... I'm not who I used to be. Je ne suis pas ce que je suis... Ce que je laisse paraître, un truc comme ça. Ça me rappelle le duel qui a fait que... Eh bien, tu as rejoint la bande du Faucon. Eh bien, oui. Cette bataille était vraiment bien. C'est comme ça que toutes les batailles devraient être. Griffiths, je suis désolé. Pour aujourd'hui. Oh, ça fait partie de toi. Chaque... Quoi? Evans, that part... Chaque partie de toi est en fait une partie de mon plan. Ouh, Griffiths. Griffiths, franchement. Franchement, tu ne m'aides pas, Griffiths. Je n'arrive pas à faire de toi un homme, Griffiths. En tout cas, enfin, si, c'est pas le problème de faire de toi un homme. Mais putain, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que tu vas montrer que t'aimes les femmes? Ah oui, forcément, tu vas violer ma copine. Super. Je me demande comment ils vont le montrer, d'ailleurs, dans le... Dans le jeu, je me demande comment ils vont le montrer. Attends, c'est le coup de barre que j'ai, quoi. Donc, on a fini la vidéo. La mission en 10 minutes. Et d'ailleurs, la vidéo, on va pas... je vais pas lancer une autre mission. Est-ce qu'on va monter niveau 13? On monte niveau 13. Alors, on gagne pas mal de choses. Ça, c'est pas mal, ça. Retrouver une petite portion de la jauge de fureur, c'est fort. La Death Blow Gauche, putain. Alors, tout ça, c'est pas mal. D'accord. Les Bélites. Yeah. Petite cinématique. Griffiths a atteint le titre de chevalier. On a fait que gagner sur tous les champs de bataille récemment. Et finalement, ils ont enfin reconnu notre... les récents succès de notre bande. Il n'est pas juste chevalier, Griffiths a été nommé comte aussi. Maintenant, on peut dire au revoir à cette vie de merde de mercenaire. Exactement. Nous faisons partie de l'armée régulière maintenant. Donc, nous devons faire exactement les actes d'une armée, voilà. Voilà. Donc, bon, faut faire bonne impression, quoi. Ils ont osé faire d'un roturier un chevalier. Ça n'a jamais été fait auparavant. Il faut bien débuter tout. Ah, sans cette guerre, ces mercenaires seraient juste des voleurs. Mais on ne peut pas ignorer leurs résultats. J'ai entendu comme quoi ils avaient réussi là où... Oui, un trusté, vous êtes vanguard position, vous êtes fashion. Bon, en gros, ils gagnent tout le temps, voilà. Guts a maintenant un nouveau équipement à porter. Ah bon? Est-ce que je peux changer de vêtements ou... Comment ça se passe? Entre chien et chat, je sais pas pourquoi ça va se passer avec Casca. Casca, tu n'aimes pas non plus ce Guts, hein? If you like to get rid... Si tu veux que... Bah, si en gros tu veux l'attaquer avec... si tu veux en gros l'attaquer, on peut faire ça main dans la main. C'est Griffiths qui décide.
Je n'ai pas interféré avec lui. Ah là 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 là. Les traductions du Dédaluka. Ouais, je fais des... Là 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 là. C'est des traductions complètement goldées. Guts, je pense que tu as un... I think you have talent for this stuff. Tu as un talent... Tu manies avec talent les dagues, en gros, oui. Enfin, en gros, voilà, tu es devenu talentueux avec ton équipement. Tu deviens quand même de plus en plus fort avec tes couteaux. J'ai eu un bon professeur. Mais à la fin... I don't think it's right. Mais je ne crois pas que ce soit pour moi, les petits trucs. Putain, Guts, ne t'y mets pas non plus, j'ai déjà du mal avec Griffith. Venant de toi... Ça sonne bien avec toi, j'imagine que ça veut dire ça, plutôt traduit dans notre langue. Mais avec notre profession, on ne sait jamais exactement comment pourra être fait le prochain jour. Donc ce n'est jamais une mauvaise idée d'apprendre de nouvelles techniques. C'est une énorme ville! Donc là, on parle de la capitale du royaume, ouais, Windham. C'est une énorme ville! Ah, je ne pensais pas qu'il y ait autant de gens qui vivent ici, au même endroit. Quoi. Windham, la capitale royale de Midland. Le roi vit ici, dans cette forteresse. Dans cette ville fortifiée, même. Les murs du château sont impressionnants, bien sûr. D'ailleurs, c'est un bailleur. Truc après truc. Eh bien, ça fait sens que cette cité est tout simplement impossible à attaquer. Oh, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà un bon 30 minutes de vidéo. Mais la prochaine vidéo, là, ça va vraiment être pas mal, là. Pourquoi j'ai pas toutes les Bélites ici? Bélite Information... Defeat the enemy garrison, commander within... D'accord, donc ça je l'ai pas eu, bon, la prochaine fois je le rusherai. La prochaine bataille risque d'être très intéressante parce qu'on ne va pas forcément se battre contre des ennemis normaux. Donc clairement... Là, ça risque de commencer à devenir intéressant. D'ailleurs, au niveau de la difficulté, je crois que je vais. Voilà, je passe le jeu en hard, hein, je pense. Je vais passer le jeu en hard parce que franchement, je me balade. Et si jamais je vois qu'en hard, je me balade encore, on passera en berserk. On verra comment ça se passe parce que là, honnêtement, voilà. Je vais peut-être refaire les premières missions en hard, en berserk. Je vais peut-être un peu tâter du jeu avant la prochaine vidéo. Et essayer de vous montrer quelque chose de plus palpitant à regarder. Parce que là, très honnêtement, j'appuie, je mâche les touches. Et ça y est, quoi, tout ce qui est devant moi meurt, même si c'est un boss. Donc c'est pas très... voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Portez-vous bien. J'ai un petit peu moins trollé dans cette vidéo. En tout cas, j'ai moins trollé les personnages. Un peu plus de sérieux, voyez-vous. Mais comprenez que moi, l'âge d'or, franchement, c'est pas que ça m'ennuie un peu, mais pff, bon, voilà. Moi, c'est vraiment pas le moment du manga que je préfère. Et c'est le plus représenté, je trouve, clairement. Avec l'anime, avec les films, donc bon, moi, j'aimerais bien voir autre chose. Sur ce, portez-vous bien, et je vous dis à plus.